essayons de varier les recettes sucrées avec les recettes salées. Il y a quelques temps, nous vous avions promis une recette salée avec le moule à Charlotte. Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi. Très originale une Charlotte salée. On se lave les mains et direction cuisine. Il faudra 200 g de riz long, un paquet de gélatine en poudre, 250 ml d'eau plus 3 cuillères à soupe, 200 g de jambon coupé en dés, 20 olives noires dénoyautées coupées en rondelles, 2 tomates coupées en dés, 150 ml de mayonnaise, du sel et du poivre. Je fais cuire le riz. J'ai choisi le cuiseur à riz de Tupperware. Pendant ce temps, je prépare la gelée. Je fais chauffer 250 ml d'eau. Elle ne doit pas bouillir. Je verse le contenu du sachet dans 3 cuillères à soupe d'eau froide. Je laisse gonfler 2 à 3 minutes. J'incorpore la préparation dans l'eau chaude en fouettant. Dans un bol, je mets le jambon, les olives, les tomates et je mélange. J'ajoute la gelée, le riz refroidi, la mayonnaise et je mélange à nouveau. Je remplis le moule à Charlotte et je tasse la préparation. Ça part au frigo pendant 4 heures.